à tous. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir cette nouvelle e-tron GT, nouveauté de la gamme e-tron de chez Audi. Elle fait 5 mètres de long par 2 mètres de large. Elle a une très faible hauteur. Elle fait 1 mètre 40 de haut. On verra à l'intérieur qu'on est posé très bas près du sol. Donc elle est au niveau du look très fidèle au concept car qui avait été dévoilé. Ils sont vraiment allés loin dans la partie design. Après, voilà, sur la partie haute, ici, on va retrouver vraiment le look de la Taycan, parce qu'on sait que c'est une plateforme qui est partagée avec Porsche. On en parlera un petit peu plus tard. Sinon, voilà, elle se distingue vraiment de sa sœur par un design et des lignes beaucoup plus acerbes. Je pense qu'elle peut avoir plus de succès au niveau look. Donc c'est un modèle qui est disponible en GT et en RS. On en parlera un petit peu plus tard quand on parlera des motorisations. Et puis on a deux finitions possibles. La finition GT et la finition S Extended. Donc c'est celle qu'on a devant les yeux. Donc avec plus d'équipements. Je vous ferai la liste des équipements possibles tout à l'heure. Donc c'est une voiture qui aura une autonomie WLTP de 488 km. Elle a une batterie de 95 kWh utile, ce qui a fait brut, je veux dire, et ça fait 85 kWh utile. Donc on a la même batterie, que ce soit la GT ou la RS. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Ouais, ici les trappes de recharge. En fait, on a deux trappes. On en a une de chaque côté. Par contre, on a une seule trappe qui possède la prise CCS, on la verra tout à l'heure. Je vais vous montrer aussi le coffre. Voilà, bien sûr, on a le coffre qui s'ouvre par la clé. Donc, une clé qui est très fine. Donc, on a un coffre qui est très profond. On voit la banquette de tir un tiers, assez large, assez carré. On a des petits rangements sur les côtés. Par contre, il n'est pas haut, hein, en hauteur. On a un petit soubassement ici. Des protections de seuil. Hop, bah de quoi voyager en week-end ou pour les vacances. À l'avant, on a aussi un frein qui fait 85 litres utile. Et on a la pompe à chaleur de série qui est incluse, donc pour consommer un petit peu moins et garder l'autonomie en hiver. Après, voilà, en autonomie, on va faire des tests. Hein. On sera au-dessus de 400 km de toute manière. Je pense qu'on va consommer entre 22 et 25 kWh au 100 à allure modérée normale. On est finalement pas si loin d'une autonomie sur une RS7 avec des coûts d'usage qui sont vraiment inférieurs. Dites-nous déjà ce que vous pensez du look de cette e-tron GT, notamment face à la Taycan si vous aviez le choix. À l'avant, on voit les caméras, les lidars. On a aussi une partie aéroactive, donc on a des flaps qui s'ouvrent et qui se ferment pour améliorer l'efficience et l'aérodynamique du. Ouais, donc au niveau moteur et recharge, on a deux moteurs donc à l'avant et à l'arrière, donc c'est pour ça qu'ils l'appellent quattro, c'est des moteurs synchrones. On a la possibilité d'avoir aussi quatre roues directrices, donc on l'a sur ce modèle avec un blocage de différentiel arrière. Et on a une boîte de vitesse et aussi une exclusivité du e-tron Quattro et de la Taycan. Donc là, sur ce modèle en GT, on a une puissance de 476 chevaux avec un mode boost de 530. On fait le 0 à 100 4 secondes 1. On a 630 Nm de couple, pardon, et une Vmax de 245. On a aussi un modèle RS qui est plus puissant. On vous le fera aussi découvrir. Donc lui, il fait 598 chevaux et il a un boost à 640 chevaux et il fait le 0 à 7 en 3 secondes 3. Donc on est sur des performances de RS6 à RS7. Il a une Vmax de 240, donc quasiment la même. Donc on est sur une technologie de batterie et de BMS en 800 volts. Donc ça, c'est intéressant parce que sur les charges, on va accepter du 270 kW en crête. Et puis on a un chargeur interne de 11 kW en option à 22 qui serait intéressant de prendre.
Et sur ce modèle, on a aussi une récupération automatique qui récupère automatiquement l'énergie à l'approche de rond-point. Par exemple, on a pu l'essayer sur le Q4, vous pouvez aller voir notre vidéo. Voilà, on va découvrir un petit peu l'intérieur et puis aller voir un petit peu les équipements qui sont disponibles. Alors, on voit que sur ce modèle, on a l'option des phares feu laser, ils appellent ça bleu. Voilà, c'est aussi une voiture qu'on peut vraiment configurer comme on le souhaite, à son goût. On a 9 couleurs de disponibles. On a 9 choix de jantes aussi, c'est assez énorme. Et puis même au niveau de la calandre à l'avant, on a 3 choix de couleurs de calandre. Donc on peut se faire vraiment un modèle voilà, discret ou voyant, plus sportif ou plus luxe. On peut vraiment, vraiment choisir. Là, on a une calandre black, noir laqué. On va commencer par s'installer à l'arrière. Donc, on voit qu'on n'a pas de montant sur les vitres. On a ici intérieur full cuir, Alcantara et cuir ici, et des plastiques là, un petit rangement. On a le son Bang & Olufsen qui est une option. Donc, on voit ici les sièges creusés. On va s'installer. Hop! Voilà, mon siège il est réglé comme pour moi. Hop, donc on est assis très bas. Hop, voilà. Donc les petites meurtrières ici. Par contre, on se sent bien, bien protégé. On s'installe correctement ici. On a un petit peu de place pour les genoux, ça passe. À l'arrière, bon, on bénéficie de la clim. Je vois pas de branchement USB. J'espère qu'il y en a. Hop. Donc voilà, une très belle sellerie, un couloir central. Donc on a bien trois places, il y a trois appuie-têtes, petit porte-gobelet. La vue arrière hein, qui doit être assez limitée. Hop, mais voilà, on a vraiment la sensation d'être une voiture de sport. Ça, c'est aussi l'ambiance qui est agréable. On bénéficie là d'un grand toit panoramique en verre. On peut aussi avoir une option en toit carbone pour alléger le poids suspendu, notamment en hauteur. Donc ça peut être intéressant pour l'efficience. Voilà. Et puis là, je vais vous montrer le cockpit à l'avant. On va passer sur le devant pour détailler tout ça. Donc voilà, on est vraiment sur des gammes de voitures exclusives. Alors on va se mettre à l'avant. Hop, donc pareil, des portes très larges. Donc ça va être bien insonorisé. On a un vitrage acoustique assez épais. Donc évidemment, une finition au couteau. On retrouve le cuir, l'Alcantara, les réglages mémoire du siège, la sono Bang & Olufsen et l'ouverture du coffre. Des petits seuils de porte non éclairés. Ici, on a les sièges semi-baquets, on va dire, avec réglage électrique. Et aussi sur l'avant, ici, voilà, on peut avancer pour soutenir les cuisses. Allez, on va s'installer. Donc, très bas, la voiture fait 1,40 m. Vous voyez, assis dedans, je peux toucher par terre. Donc, ça va vraiment apporter des super sensations. Hop! Ici, c'est vraiment très joli. Là, on est vraiment dans un cockpit. On retrouve le nouveau équipement au niveau écran console des Audi e-tron de la gamme. Vous l'avez découvert avec le Q4. Ici, on a un virtual cockpit qui est plus important, qui est plus large, qui est plus grand. On retrouve je crois, le même écran ici. Ok, on a le réglage. Séparé un petit peu plus à l'ancienne de la clim, moi je préfère. Alors que sur les Fat e-tron, e-tron d'origine, il y a un troisième écran. Là, ça marque moins les traces de doigts. On a le Drive Select ici. Vous voyez, donc on a Efficiency, Confort, Dynamique individuel. Pour programmer un petit peu comme vous voulez la propulsion, la suspension, le profil sonore. Donc, effectivement, profil sonore, on a un générateur de bruit. Comme sur la Taycan, qui est plutôt réussi, je trouve, même s'il y a des gens
qui aime pas trop avoir ça, mais on peut le réduire son intensité. Par contre, on peut pas le couper, il est obligatoire. On vous le fera écouter pendant l'essai programmé sûrement la semaine prochaine. En plus, on aura du soleil, on voit la boîte de vitesse, la même que le Q4. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié de l'essai dynamique. Ça devrait être plutôt sympathique. Voilà, ici on retrouve le régulateur de vitesse. On a des palettes pour régler la régène. Et puis ici on retrouve les commandes classiques qu'on a chez Audi. Je vous ai déjà montré aussi sur le Q4. Ah, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc on peut défiler et faire. Donc là on a de l'autonomie. La consommation, hop, l'ordinateur de bord, les aides au conducteur. On peut vraiment faire un petit peu comme on veut. Voilà, un profil plus sportif. Hop. Donc pas mal de choses. On peut se mettre la cartographie aussi en complet. Donc je vais vous parler un petit peu des équipements qu'il y a sur ce véhicule. Donc au niveau du GPS, on a un planificateur d'itinéraire. Donc il va gérer lui-même les arrêts pour la recharge. Il va vous dire combien de temps vous arrêtez et où vous arrêtez. Voilà, bah, faudra le tester pour comparer par rapport à BRP ou le planificateur de charge map par exemple. Ensuite, on a CarPlay Android Auto en sans fil. On a aussi l'appli My Audi qui permet de piloter la voiture à distance, notamment sur des parkings un peu étroits. On peut faire avancer et reculer la voiture. Puis bien sûr, on peut gérer à distance la voiture pour la recharge, la clim et pas mal d'autres choses comme ça. Ensuite, ben, sur ce modèle-là, on a les freins céramiques. Donc ça, c'est une option qu'on peut avoir. On a aussi l'affûtage TT haute qui est en option. Et le toit carbone, je vous en ai déjà parlé. Donc au niveau des tarifs, on commence à 101 000 sur la GT. Donc fiscalement, ça peut être intéressant pour des chefs d'entreprise ou même des particuliers dans le sens où il n'y a pas de malus, donc pas de TVS pour les chefs d'entreprise. Après voilà, avec les options on peut monter très vite. Ici donc on a la modèle S Extended, donc bien équipée de pas mal d'options. Donc on arrive quasiment au prix de la RS. La RS elle fait 140 000 euros. Voilà, on vous montre le planificateur d'itinéraire. Là on a demandé d'aller à Paris. Donc là il nous dit qu'on ne peut pas y aller avec l'autonomie, la charge qu'on a. Qui nous propose de rechercher automatiquement les bornes de recharge. Donc voilà, il nous propose automatiquement ben, une aire totale sur la 6. Il fait son calcul. Voilà. Il dit qu'on va arriver avec 16%. On va charger 13 minutes seulement. Et on arrivera à Paris avec 15%. Voilà, donc pour conclure, c'est quand même ben, vraiment une grosse nouveauté. C'est une voiture qui dénote vraiment dans la gamme Audi. C'est bien sûr bah, le nouveau haut de gamme de chez Audi, donc une voiture importante. Elle bénéficie d'une grosse techno, hein, roue arrière directrice, plateforme en 800 volts. Ici, bah, on a le frein carbone. Elle a aussi vraiment un look très très particulier, vraiment un look futuriste. On se rappelle quand la R8 était sortie, on l'avait vu dans les films de science-fiction au départ. Bah, là, on est un petit peu sur la même dynamique. Voilà, donc on fera l'essai dynamique et puis on fera aussi des tests de recharge. Vous savez que vous aimez bien voir les tests de recharge rapide. Sur celle-là, on verra un petit peu la courbe. Bah, combien de temps elle peut tenir les plus de 200 kW. On verra ça ensemble. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce véhicule. Est-ce qu'il vous fait rêver aussi? Est-ce que pour les gens qui seraient clients, est-ce que vous allez la commander, pour quelle voiture ça remplace si vous êtes futur client. Et puis donc je vous dis à très bientôt. On a aussi d'autres essais programmés, des véhicules d'une gamme de tarifs inférieurs. Donc il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. À très bientôt. Merci de votre écoute.